l'Éthiopie. Une culture guerrière? Les tensions modernes au Tigré remontent à la fin du XXe siècle. Les forces rebelles tigréennes menées par le TPLF, le Front de la Libération du Peuple Tigréen, entrent dans Addis Abeba afin de renverser le pouvoir. Le TPLF marque alors l'histoire politique éthiopienne et s'illustre face à l'Érythrée voisine en menant le front contre ces pays entre 1998 et 2000. Le premier ministre éthiopien actuel est accusé de vouloir gouverner en solitaire. Il est d'ailleurs perçu comme hostile à tout membre du TPLF qui souhaiterait s'intégrer dans les sphères de gouvernance du pays. En 2020 devaient se tenir des élections générales vers la fin du mois d'août. La commission électorale, épaulée par le Parlement éthiopien, a choisi de décaler le scrutin à 2021 à cause de la pandémie de Covid-19. Les mandats des élus nationaux comme régionaux ont été de facto prolongés. L'Éthiopie tigréenne a considéré que ce report des élections était une décision antidémocratique. Ils ont décidé de garder ouvert leur bureau de vote en septembre afin de renouveler leurs élus régionaux. Cette élection illégale, selon le chef de l'État fédéral, Abiy Ahmed, est une marque d'indépendance qui a mis le feu à la poudrière. L'escalade des tensions était inévitable car pour le pouvoir central, il est intolérable qu'une région organise ses propres élections sans contrôle fédéral. Voici où nous en sommes actuellement. Dans un conflit mêlant les civils et militaires du Tigré aux autres ethnies éthiopiennes ainsi qu'à l'armée fédérale qui tente de prendre le dessus dans ce conflit. Le roman national. Le roman national éthiopien s'est ancré sur un espace particulier, Aksum, dans le Tigré, situé au nord de l'Éthiopie, autant que sur l'événement capital que fut la conversion royale au christianisme vers 325 de notre ère. Le royaume d'Aksum, qui s'épanouit sur les hautes terres du nord de l'Éthiopie et de l'Érythrée actuelle du 1er au 7e siècle de notre ère, endosse totalement le rôle de matrice culturelle de l'Éthiopie, un rôle qui s'est développé à l'échelle du temps long. L'État salomonien d'Éthiopie, de 1270 à 1974, s'est construit sur cette double référence religieuse et topographique. Dès la première moitié du XIVe siècle, le lien avec l'ancienne Aksum avait été établi, tout comme l'ascendance biblique des rois éthiopiens que le mythe national de la noblesse des rois, en français, affirmait en invoquant l'épisode de la visite de la reine de Saba auprès du roi Salomon. Le fils issu de cette brève rencontre aurait été le premier roi, Négus, d'Éthiopie. À cette occasion, l'Arche d'Alliance aurait été de translater d'Israël à Aksum. Ainsi, le mythe éthiopien du Kebra Nagast établit une double sacralité, celle du souverain, descendant du roi biblique Salomon, et celle du peuple éthiopien devenu le peuple élu parce que dépositaire de l'Arche d'Alliance. Plus encore, le Géez, langue sémitique vernaculaire du royaume d'Aksum, fut maintenu dans le rôle de langue écrite et culturelle jusqu'à l'orée du XXe siècle, et dans celui de la langue liturgique jusqu'à ce jour. Le recours à Aksum comme épicentre de l'identité éthiopienne est ancien. Au XIVe siècle, le début du règne des rois, Hamdat Seyon, de 1314 à 1344, fut marqué par une crise politique opposant le nord du pays au roi de l'Amara qui avait fondé la dynastie salomonienne en 1270. Initialement, le nom Amahara faisait référence à une région d'Éthiopie avant de désigner ses habitants. C'est dans ce cadre que furent compilés les textes qui allaient former le Kebra Nagast au Tigré. Son objectif était de toute évidence de justifier les prétentions des Tigréens à régner sur l'Éthiopie par leur lien avec Aksum. Après que cette révolte fut écrasée, le mythe national fut récupéré par les souverains Amara qui le détournèrent à leur propre usage. À partir du XVe siècle, les rois des rois d'Éthiopie choisirent de se faire couronner à Aksum. La référence à Aksum devient récurrente à partir de la fin du XIXe siècle et systématique au XXe siècle, en particulier à travers la représentation des stèles d'Aksum. Au XXe siècle, cette référence a servi à affirmer la légitimité du souverain ou encore à justifier le rattachement de l'Érythrée à l'Éthiopie après la Seconde Guerre mondiale. L'argument était que l'ancien royaume d'Aksum s'étendait sur les deux pays. Le patrimoine fut partagé par une part importante des habitants d'Éthiopie jusqu'au XIXe siècle. Le pays était alors limité aux hautes terres septentrionales, de l'Érythrée à la boucle du Nil bleu et un peu plus loin en direction du sud-est. Le sentiment d'appartenance ethnique. Cette épopée nationale du dernier tiers du XIXe siècle avait laissé deux peuples éthiopiens amers. Les Tigréens, qui s'estimaient légitimes dans l'exercice du pouvoir impérial qui leur avait été ravi par les Amahara du Shoah, et de nombreux Oromos qui se trouvaient occupés et exploités. Le régime marxiste du Darg, le comité en français entre 1974 et 1991, avait appliqué un centralisme tout aussi sévère que celui du gouvernement impérial auquel il avait succédé par la force. En dépit d'un rôle folklorique attribué aux ethnies éthiopiennes, l'équation être éthiopien égale être culturellement Amahara demeurait un dogme politique enraciné. Toutefois, une importante rébellion anti-gouvernementale s'organisa dans les diverses provinces éthiopiennes et prit rapidement une coloration communautaire.
Eritrean People's Liberation Front, Oromo Liberation Front, Tigray People's Liberation Front, TPLF, West Somali Liberation Front, etc. En 1989, sous l'égide du TPLF, ces factions rebelles fondèrent une alliance nationale, le PRDF, Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front, qui a vaincu le Darg en 1991. Cette coalition de pays, devenue un parti État sous la conduite des Tigréens du TPLF, réussit à se maintenir au pouvoir jusqu'en 2019, date de son premier remplacement par l'unique Parti du Progrès, fondé par le Premier ministre Abiy Ahmed et auquel les Tigréens ont refusé d'adhérer. La révolution majeure mise en œuvre par l'EPRDF fut l'adoption d'une nouvelle constitution en 1994. À l'image de l'Alliance à tonalité communautaire qui en était à l'origine, celle-ci prévoyait un découpage de l'Éthiopie en régions-États selon les critères linguistiques. Sans s'étendre sur les nombreux problèmes que soulevait ce nouveau découpage national, au premier rang desquels l'absence d'homogénéisation complète entre langue et territoire, source de tensions régionales, une nouvelle notion fut alors introduite en Éthiopie, celle de l'appartenance ethnique. Cela s'est passé il y a un quart de siècle et les moins de 30 ans aujourd'hui ont désormais intégré ce nouveau marqueur identitaire. Il faut rappeler qu'au début des années 90, lors de la mise en place du système fédéral, la première appartenance d'un Éthiopien était religieuse. Même si les mariages interreligieux existaient, c'est le cas des parents du Premier ministre Abiy Ahmed, musulmans et chrétiens. La confession majoritaire est représentée par l'église Miaphysite Tawa Edo d'Éthiopie à 45%, suivie de l'islam sunnite à 35% et de l'évangélisme à 25%. Une minorité catholique issue de l'action de missionnaires compte pour moins de 1%. Le paysage religieux éthiopien n'apparaîtrait pas complet sans que soient mentionnés les adeptes de rites traditionnels, surtout représentés dans le sud-ouest en voie de régression. Il faut aussi rappeler que pour être un Amhara, il convient davantage de parler la langue amharique, d'adhérer à l'église éthiopienne Tawa Edo et de manger de l'injera, une sorte de galette, qu'être né de père Amhara. Cela est d'autant plus vrai que des millions d'Éthiopiens sont de pères et de mères appartenant à des ethnies et cultures différentes. L'absence de nom de famille en Éthiopie, mais aussi le fait qu'une femme n'adopte pas le nom de son époux, participait aussi au lissage de l'appartenance communautaire. Toutefois, la fédéralisation de l'Éthiopie s'est révélée une voie ouverte aux contestations sous le couvert identitaire. Les conflits qu'a connus l'Éthiopie au cours de la décennie passée, facilement qualifiés d'ethniques, avaient des causes plus profondes liées au logement et à l'économie réelle, mais revêtaient une forme de communautarisme comme c'est encore le cas maintenant. Le district fédéral d'Addis Abeba a connu une expansion qui n'était pas soupçonnée à l'époque du découpage ethno-linguistique et se trouve aujourd'hui à l'étroit et gagne largement sur le périurbain en zone Oromo. Or, la ville d'Addis Abeba est une fondation impériale de la fin du 19e siècle, associée aux conquêtes menées par Ménilek, même si les principaux généraux de ce dernier furent des Oromo. De plus, la ville région-État, capitale nationale, où l'amharique est la langue la plus parlée, se trouve entièrement corsetée dans la région Oromo. Et toute l'expansion est désormais comprise par les Oromo comme une nouvelle agression de l'impérialisme de jadis. Les problèmes fonciers suscités par son extension réveillent ainsi la mémoire des campagnes militaires des Amhara. Et l'opposition ruraux versus urbain se transforme en antagonisme identitaire par l'instrumentalisation d'une histoire réécrite de part et d'autre. Cependant, la vraie nature de l'antagonisme, foncier, économique, tend à être oubliée par ses propres acteurs pour ne plus se rappeler que de la différence socioculturelle et linguistique, dite ethnique. Pour en revenir au Tigré, le rapport à l'histoire doit y être envisagé différemment, même s'il s'agit aussi d'un antagonisme vis-à-vis des Amhara. Ici encore, l'explication ethnique comme principale cause est une approche simpliste de la situation. Il existe des tensions communautaires, mais la seule appartenance communautaire ne permet pas d'expliquer toutes ces tensions. Par exemple, les Tigréens se trouvent répartis entre Éthiopie, 7 millions, et Érythrée. 3 millions. La première langue en Érythrée est le tigrinya et le chef de l'État érythréen est lui-même tigréen. Cela n'a pas empêché les Tigréens des deux pays de s'affronter au cours de conflits fratricides meurtriers entre 1998 et 2000, puis au cours de l'année 2021 jusqu'à maintenant. La France à Addis Abeba. En 2019, la France signait avec l'Éthiopie à Addis Abeba un accord de coopération en matière de défense. La France devait signer, dans un futur proche, des contrats portant sur de l'équipement, des navires, formations et des aéronefs.
Pour accompagner la politique d'ouverture du Premier ministre éthiopien, la France avait annoncé un prêt politique public de 85 millions d'euros ainsi qu'une assistance technique de 15 millions d'euros. L'objectif d'alors était de concurrencer la Chine en misant sur le secteur de la défense. En haut du tableau, le développement des forces navales éthiopiennes, disparu en 1996 après la sécession érythréenne. Consciente que l'Éthiopie joue un rôle clé dans la stabilité de la Corne de l'Afrique, sa proximité avec la base française de Djibouti était rêvée pour entamer des formations militaires. L'Éthiopie a depuis signé la paix avec l'Érythrée après 20 années de guerre. Mais l'acte diplomatique d'Asmara avec Djibouti est toujours suspendu depuis les affrontements de juin 2008, où des troupes françaises ont participé au combat. Djibouti veut toujours récupérer la portion de son pays occupé et 13 soldats toujours détenus. L'Éthiopie pourrait y contribuer avec l'appui de la France, qui reste dans ce différend le défenseur de Djibouti auprès de ses partenaires internationaux. Le 23 novembre 2021, la France a appelé ses ressortissants à quitter sans délai le pays. Concernant les structures des échanges franco-éthiopiens, hors matériel militaire, les dernières données disponibles indiquent pour l'année 2020, l'Éthiopie est le 76e partenaire commercial de la France, le 65e client de la France, son 118e fournisseur et son 17e excédent. Au sein de la région Afrique-Océan Indien, le pays est le 6e client de la France et son 3e excédent. Il représente 0,1% des exportations de la région. Les régions formant l'Érythrée sous contrôle partiel de l'Empire ottoman à partir du XVIe siècle, brièvement des Égyptiens et des Britanniques au XIXe siècle, se présentent surtout comme une construction coloniale italienne établie en 1890. Depuis, le pays a vécu sous la loi italienne jusqu'en 1941, sous l'occupation britannique jusqu'en 1952 et sous divers régimes éthiopiens jusqu'en 1991. Lorsqu'un Tigréen d'Érythrée rencontre un Tigréen d'Éthiopie, c'est d'abord un Éthiopien qu'il voit. Leurs systèmes de représentation ont évolué séparément sur deux parcours politiques et culturels bien différents. Empereur Amara de sang Oromo mélangé, il écrasa les prétentions coloniales italiennes de manière retentissante à Adwa en 1896. Il sauva alors l'Éthiopie, mais en abandonnant une partie du Tigré à l'Italie qui en fit une large part de sa colonie d'Érythrée. Les voix indépendantistes demeurent l'exception en Éthiopie et le nationalisme éthiopien, toujours prompt à mettre en avant la singularité du pays, reste bien vivant. Depuis l'application de la Constitution fédérale en 1995, nombre de commentateurs n'ont pas manqué d'annoncer la balkanisation de l'Éthiopie. Le même discours fut tenu lors de la guerre éthio-érythréenne de 1998 à 2000 et lors des émeutes de 2005 et de 2015, les adeptes de l'ethnique comme seul modèle explicatif n'ont jamais manqué de mots. Certes, ces situations étaient moins préoccupantes que le conflit actuel, mais l'adhésion de la majorité des habitants à l'idée éthiopienne demeure un fait et un facteur avec lequel il faut compter pour toute prospective future. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. En écrivant cette vidéo, nous n'avions pas anticipé une telle complexité dans ce conflit. Nous avons essayé de vous donner un point de vue géopolitique différent, marqué par l'histoire du pays, et nous avons hâte de découvrir ce que l'avenir nous réserve. En attendant, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur ce sujet dans les commentaires. À la prochaine !